E guardate a tutti ciurma e benvenuti la giocherina in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 20 like ragazzi. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno. Io vi dirò sinceramente ragazzi che sono non poco preoccupata perché dopo quello che abbiamo visto la volta scorsa sono abbastanza in pensiero per quello che ci aspetterà più avanti, perché ragazzi purtroppo abbiamo scoperto una terribile verità. Purtroppo Aelia non è riuscita a salvare suo fratello Basilius, il quale quindi, ritrovandosi da solo abbandonato in preda alla disperazione, praticamente si è semplicemente lasciato morire, scatenando così la peste ragazzi. E la scena è stata veramente veramente forte. L'idea comunque che circonda tutta questa situazione è veramente molto molto pesante, quindi io mi chiedo ancora a questo punto delle cose, dove andrà a parare comunque la storia? Emisia è convinta che restando vicina ad Hugo non possa succedergli niente di male, che debbano soltanto vivere la vita in tranquillità, la vita che meritano, ma mi chiedo, sarà davvero mai possibile tutto questo? L'ultima volta, quindi, ragazzi, ci eravamo appunto salutati. Qui io non so davvero tanto cosa pensare, adesso non ci resta che raggiungere il porto, evidentemente comunque per lasciare una volta per tutte quest'isola, quindi il cammino probabilmente non sarà facile, tanto per cambiare, ovviamente. Oddio, poveraccio, mamma mia. Ci serve la torcia, quindi andiamo. Ovviamente questa non rischia di spegnersi, non è come insomma i bastoncini. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun Sì. risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. J'ai hâte de quitter son cher. Ma chi lo dici, Sofia, Par là, però? c'est le port. Venez. Chi è? Madame! Oddio, che vuole? Quoi encore? Vous êtes l'invité de la comtesse. Êtes-vous blessé? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me À vrai suivre. dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment? Qui? Votre mère Oh, et un garçon. Dio. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Non ci posso credere, ragazzi. Questa sinceramente non me Qu'est-ce qu'on va lui l'aspettavo, dire? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vabbè. Non me Vite! l'aspettavo, ragazzi. Sto risvolto, sinceramente. A parte che come minchia è arrivata la mamma con Lucas fino a qua. Com'è arrivata qui? E tra l'altro stiamo andando dalla contessa e dal conte, cioè che comunque stanno abbastanza fuori, con questa questione del Est-ce que le palais va tenir, monsieur? Pour le di moment, tutto quanto, le insomma. comte a ouvert les portes à la population, mais il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Mamma mia, ragazzi, cioè, oddio. Attention, reculez! C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut. Où l'ont-ils trouvé? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière. Oui. Par ici. On en tout sait. cas, vous êtes en sécurité désormais. Ne siamo proprio sicuri al 100%? Mais Non lo vous n'avez so. pas prévu d'évacuer? Encore. Pas avant d'avoir rassemblé tout le monde. Non lo so, ragazzi, è una brutta sensazione. Non so spiegarmi il motivo e il perché, non so cosa sia legata, ma ho una brutta sensazione. Remuez-vous! Il faut continuer à alimenter ces fenêtres par ici! On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main! Les rats poussent sur le flanc est!
là-bas. Ils devraient évacuer. Oui. Personne ne peut gagner contre eux. On a les combattants à l'intérieur. Les affaires. Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance. Creusez des tranchées le long des remparts et remplissez-les de poids. Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut faire tomber le palais. Et si jamais les rats rentrent dans le palais? Alors tu es mort. Gardez les feux allumés. Réparez le piston. On a besoin de ce chariot sur les remparts, et vite. Encore un autre? Lâche-moi un peu. Cette chose est tellement vieille qu'elle peut exploser à tout moment. Scusate il silenzio, ragazzi, ici, ma... C'est pas beau à voir. Le vrai détourner les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras! Ça brûle! C'est les gens qui ont été mordus. Oui. Non! Ça va bientôt se répandre. C'est pas vrai! C'est fini. Laisse-te partir. Pas le moment de se disputer. Tes enfants. È pesante, ragazzi. Béni soit le bon pour cette nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. È pesante. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa venue. Par là. Pourquoi est-ce qu'il veut Prenez nous tuer? Apaisez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Oddio, che situazione. Maman! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère, viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Tu vas bien? Ta tête. Ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi, c'est bien celle-là? Votre île? Celle que tu as vue dans ton rêve? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur? Oui. À l'époque, au VIe siècle. Il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné, dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste? Au VIe siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la macula, mais... Alors ça a commencé ici. Avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul et il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice, comme Hugo nous a, nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme. Tout allait bien. Il allait bien. C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi? Maintenant? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Questi cazzi, je... Nous t'attendrons. Ci metti. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Quindi la cura di regola è vivere una vita normale. Cioè, in tranquillità.
Direi qu'ora la cura dovrebbe essere questa. Savez-vous ce que le comte attend de moi? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord, je le ferai. Mi devo forse preoccupare. La porte est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien, c'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Ok. Messire. Vediamo cosa vuole da noi, cosa vorrà. Tra l'altro, cioè a sto punto delle cose cosa pretende. Vous avez donc survécu à ces monstres. De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mm-hmm. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolée, je... Non, non. C'est exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. L'enfant va vraiment venir? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire les rats? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Deve oui. I segni. Cioè non è che questi hanno capito che si tratta di Hugo, ragazzi, gli vogliono fare qualcosa. Oddio, dopo tutto quello che abbiamo passato non sopporterei altre brutte notizie, ragazzi. Oh! 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 Ma che cazzo fa? E vive l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. Non. De quoi parlez-vous? Non. Elle sait que ton frère non. est une mauvaise. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois non, mourir. Non, non. Non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi? Emily. Ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attente à sa vie et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement cru. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Non. Alors vous lui avez menti. Accepte ton destin. Non. Sois maudite. Se colpisci. Oddio no ragazzi, no, non mi fate fare queste cose, vi prego, no. Oddio. No, no. Corri cazzo. Je ne la perdrai pas, pas pour toi. Allez, diable. Où vas-tu aller? No, no, no. No, raga, io, no. Oddio, non... Cioè, è una cosa che si è inventato lui per salvare quella tizia. Che pazza. Oh. No. No. Non rompere il... no, dai. Stronza di merda! C'est entre toi et moi maintenant. Non farti vedere, ma è impossibile! Oh cazzo! Je sais que ça semble. No, regà, dai, non è possibile. Oddio. No, no, no! No, no, no! No, come faccio? Come faccio? Oh cazzo! Oh cazzo! Devo cercare di mantenere un pochettino di più il sangue freddo. No, ma dai, raga. Ma non posso. Ma è impossibile.
Ok, devo per forza passare da lì. Farti vedere, ma se ti fai sentire, sono cazzi da cacare. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre. Ok, proviamo ad andare adesso. Il me suffisait de tout détruire, mais elle m'a montré une autre voie. Nascondiamoci. Tu aussi tu l'as vu. Ma che di che parli? Ma ti rendi conto che farnetichi? Oddio, eccolo qua. Spero che non venga. Oddio, forse ho azzardato un po' troppo. Dimmi che devo uscire da qua, ti prego. Non devo uscire da qua, te pareva. E te pareva, e te pareva, e te pareva, e te pareva. Dio santo. Eh no. Non posso uscire da qua. Oh cazzo. No, raga, dai, è un guaio. Cristo. Non è facile. Allora, non devo uscire da quella porta. È lì che ho sbagliato. Quindi forse non devo passare da lì, ma devo passare da dove va lui. Oh cazzo. No, ho azzardato troppissimo pure adesso. Allora, corriamo, proviamo, ma non so se ce la posso fare. Ciao. Niente, lasciatemi in pace, che cavolo. Oddio, ragazzi, io non so cosa sto facendo né dove sto andando. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Te pareva. Deve rompere il cazzo, quindi, no? Ovviamente. Oh, cavolo. Intanto vado, ok, almeno mi ha salvato. Ma che è? Oh, ma è onnipresente sto stronzo. Oddio. Non ce la posso fare, raga. No, che non te lo do, ma te sei scemo. Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez. Ne sois pas si dramatique. Tu vas juste disparaître et le monde s'en moquera totalement. Abandonne. Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps. Tu ne vois plus la vérité. Infatti. C'est que tout est corrompu à part elle. Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas en train de... È diventato pazzo pure lui, raga. Senti. Je suis prêt. Tu verras. Je peux en trouver les autres. Vite, il y a forcément un moyen de retourner en haut. Comunque, allora, ci sono posti dove nascondersi pure qua. Aucune issue. Non c'è uscita, come non c'è uscita? Ci deve essere. Minchia, hai distrutto la spalla, raga, chissà che cosa si è rotta. Troppo io. Choisis la manière forte. No, ma come faccio, dai? La peur te rend négligent. No, non ce la posso fare. No. No, raga, dai, ma è follia. Oh, cazzo. Ma tanto mi ha visto. Cioè, scusa, mi ha visto. Come mi nascondo? Vedete, continua a seguirmi. Continua a seguirmi. M'ha visto. Non ce la posso fare. Forse posso chiuderlo in una cella. Ah, è vero, c'era una porta che si poteva chiudere. Oddio, che ansia, raga. Spero di riuscire subito, perché questa situazione potrebbe essere veramente problematica, purtroppo. Quindi devo entrare in una di quelle stanze e poi uscire silenziosamente e chiudercelo dentro. L'unica cosa. Sì, ma se continuo a girare intorno qua. No, non ce la posso fare, raga. Cazzo, m'ha visto. Non ce la posso fare. Ciao. Ciao. Ciaone, quanto rumore. M'ha visto. Mi ha visto. Oddio, dai, dimmi che faccio in tempo. Sì. Ma uscirà dall'altra parte il bastardo. Oddio, dai, muoviti, cazzo. No, raga, non ce la farò mai. Vabbè, ma non è possibile. Non è possibile, raga. Ma che cazzo faccio? Scusate.
Cioè, non faccio in tempo manco chiudendolo dentro una stanza. Oh cazzo, qua, è qua. Fermi. Fermi, occasione. Non posso più chiudercelo! Perché l'ha sfondata! Che cazzo! No, dai, regà. Ma di che stiamo parlando? C'è un'altra stanza qua. Mamma mia, che ansia terribile. Ok, è appena entrato. Sa che non mi resta che approfittare adesso. Fortissimo. Chiudicelo. Oddio, che ansia. No, raga, io non posso fare ste cose. Dai, ti prego, muoviti. Ti prego. Dimmi che fai in tempo. Non posso tollerare. No, tutta sta tensione e stanza non ce la faccio, ragazzi. Oh cazzo. Dio cazzo, muoviti! Tra l'altro, ovviamente, lei con la spalla così non può correre manco come si deve. Non c'è una cazzo di scena. No, raga, non ci posso credere. Oddio, è qua! Fermi! Incroyable! Oh, tu me rappelles une époque lointaine, ma jeunesse. Je te retrouverai là où coulera. Par pitié, que cette folie s'arrête! Sfuggi a Conte, mamma mia, non è ancora finita sta. Non posso più. Quest'ansia di vivere è. Ti evanui là. No, ecco, il volo a me. Resisti, Emicia. Prova a resistere. Lucas, emmène-le loin d'ici. Même si tu as mal. La douleur. È terribile, ragazzi. C'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. Sta cercando di caricarsi di rabbia, tipo, ma che situazione, raga. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Oddio, che devo fare? Nous mourrons tous. Non! Je l'aimerais tant. Il rayonnera comme mille soleils. Il chassera les ténèbres et moi, je serai simplement mère. Témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit sur notre famille! Amicia! Par quel malheur es-tu encore en vie? Où est Hugo? La porte, vas-y, cours! Oh! 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 Enfin! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Che maledetto stronzo, ammazzalo per favore. Eh bien. Comment puis-je refuser une telle invitation? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle abnégation. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Non. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Ah!
Qui es-tu pour oser me défier? Je suis Amicia de Rune. Ah, silence. Je ne m'incline devant personne. Silence. Amicia. Non. Non. Tu vois, tu sais bien t'incliner. Non. Je vous implore. Pitié. Assez. D'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Non, 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 les gars, non, non, non. Je suis si fière de toi. Non, non. Amicia, maman. Je me sens bizarre. Mannaggia la miseria! Mannaggia la miseria! Amicia? No, ragazzi, no! Mamma! Amicia! Luca! Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'ils sont passés? Che succederà a Ugo quando lo scoprirà, ragazzi? Io non lo so. Vi giuro che non me l'aspettavo. Non mi aspettavo un simile cambio repentino di direzione. Io pensavo che sarebbero andati via. E sì, magari avrebbero trovato o incontrato ancora qualche difficoltà, ma non mi aspettavo questo. Vi giuro, non mi aspettavo tutto questo. Cristo. Completamente inaspettato. Troppo, ed è tutto troppo. È tutto troppo. Cioè, poi una appresso all'altra, Cribbio. Oh, my dad. Est-ce que c'est un rêve? Non. C'est pas un rêve. C'est vrai. Oh, il y a des gens. Scusate il silenzio, ragazzi, ma veramente sto cercando un attimo di realizzare quello che è successo. Non ce la faccio. Cioè, è stato troppo sconvolgente. Cioè, poi così d'improvviso.
Qu'est-ce que vous faites? Émilie? Oh, mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo, elle est morte? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord? Oh, Dio! Quoi? Messire, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi! C'est toi! Je le savais! Émilie, je viens vous aider! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Je serai une meilleure mère. Je serai une meilleure plus. Mère. Il faut plus de rats. Pitié. Porca di quella miseria. Porca di quella miseria. Tu vais la payer. Appelle plus de rats. Mannaggia la miseria. Qui les a fait? Protégez la comtesse à tout prix. Ah voilà, du sang. Laisse les rats les manger. No ragazzi, io la devo far esplodere sta troia. La devo far esplodere. Se la devono divorare un pezzetto alla volta, cazzo. Un pezzetto alla volta. Ah! Ok, non l'ho visto arrivare, mannaggia santa. Che voglio che ammazzi lei! Il punto è che sta accumulando troppo stress. Ah! Che cazzo! Non è facile, ragazzi, eh. Non è facile per niente. Sono dovunque, Cristo! È difficile. Mamma mia, ragazzi. Siamo. Oui, ça y est, tu l'as fait. C'est ton tour, Émilie. On va répandre ton sang. Embo tocca a te. Roya. Émilie, non. Messire, nous devons partir vite. C'est trop tard. Laissez-moi. Messire, pensez à vos sujets. Messire. Vous ne quitterez jamais cette île. Vieni. Oddio. Amicia. Amicia, où es-tu? Je suis là. Oh non, Hugo. 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 Non. Réponds-moi. Dis quelque chose. Hugo. Non. Non, non. Oh. Oh. Oh, merci, merci. On est vivant. Tu es vivant. Oh, ragazzi. On est vivant. Inizia qui il capitolo 13, che ha il coraggio di intitolarsi Niente da fare.
Parle-moi. Oddio, che ha? Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Ma che ha? Io non capisco se è rimasto troppo scioccato dal fatto che sua madre è morta o se, insomma, quest'ultimo attacco coi ratti gli ha provocato qualcosa dentro, non lo so. Perché è strano, è assente, non è con noi. Oh! C'est ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Oddio. Ah! Ne bouge pas. Ah! Ça va faire mal. Aiuto. Aiuto. Ah! Oh! Est-ce que ça va? Allez. Hugo, on y va. Qualcosa che non va. Respira. Non riesco a capire cosa gli può essere successo. E ci danno ancora strumenti, ragazzi, tra l'altro. Andiamo, Hugo. Lui non ha battuto ciglio, cioè ha visto la sorella soffrire tantissimo e non ha battuto ciglio. È completamente assente. Mi piacerebbe capire. Il doit y avoir un moyen de sortir. Beh, la via d'uscita. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Ma si preoccupa di questo, del fatto che il fratello non le risponde. Je pense que tu peux m'entendre. La porte est chiusa. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. Bouger ça d'ici. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Come ça faccio? Reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Posso colpire qualcosa? Il carretto là sopra, lo so, ma dovrei avere accesso a questa corda qua. Non posso passare né dalla porta qua, né da ste aperture qua. Oh, ah, ecco, ragazzi, la risposta a tutto, ovviamente, solitamente sono le cose più ovvie, perfetto. Adesso posso aprire qua, avere accesso a questa parte, prendere qualcosina e spostare questa parte.
No, forse lo devo spostare indietro, ecco, per passare dall'altra parte. Perfetto. Infatti, rifacciamo il giro e vediamo un attimino. Ecco qua. Un altro carretto. Tu dois tenir. Allora, Ego, se tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Cioè, bisognerebbe proprio capire se, appunto, se sente. Cioè, non lo so, non è chiaro, non è chiaro, ragazzi. Ok, tiriamolo giù. Sois prudent! Mamma mia, che casino. Non è facile con la spalla un po' rotta. Je pense que ce n'est pas seulement le choc, c'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. Quindi, appunto, cioè, questa era la mia domanda, se si potesse trattare soltanto di shock, ma a quanto pare non è così, è proprio la malattia. Purtroppo. Mamma mia. C'est quoi, c'est... C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, abbiamo. Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Non abbiamo detto di provare ad andare a uscire. Mamma mia. Le flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Non! Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer! Non, assez! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi! Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Cioè, ragazzi, è una cosa allucinante, cioè sembra una cosa aliena per come l'hanno costruita. Mi dà st'impressione ed è immenso, cioè. Allora, per oggi io direi, ragazzi, veramente di aver vissuto anche abbastanza emozioni, perché è stato veramente atroce, veramente, cioè io... Cioè, mi aspettavo qualche complicazione, qualche difficoltà, ma non mi aspettavo un risvolto del genere. Quindi è stato veramente inaspettato e atroce, ok? Continuerò ad usare questo termine. È stato atroce. Terribile. Non si affronta. E adesso Hugo sta così. Quindi sembra che la situazione, invece di cercare di migliorare, non fa che peggiorare. Boh, io mi chiedo a sto punto di cose se possa esserci qualcosa di peggio di quello che abbiamo visto oggi. Cioè, sembra che la situazione va sempre di male in peggio. Quindi io, per la prossima volta, che me devo aspettare? Tra l'altro non so manco se la prossima volta forse sarà l'ultima.
Non lo so, questo me lo dovete dire voi, ragazzi, se manca, insomma, il tempo necessario per fare ancora un episodio o due, non lo so. Non so se il prossimo sarà l'ultimo, quindi non so come prepararmi psicologicamente a quello che vedremo, perché probabilmente ci sarà peggio di quello che abbiamo visto fino ad ora. Non lo so, sono sconvolta, assolutamente sconvolta. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao. Stasera do Anna così, non so manco se mi riprendo entro domani.